Popularisé par le générique de la série « Quelle famille » avec Jeannette Bertrand, le galopant, un des plus vieux carrousels au monde, pourrait bientôt disparaître du paysage de la ronde. Ça fait partie de mes souvenirs très enfouis de mon enfance, là, parce que nous, on avait le passeport Expo 67. C'est sûr que ça fait partie du patrimoine, de l'histoire, de la tradition. Est-ce que la ville pourrait racheter ça? Je l'ai déjà vu et bon, c'est beau, mais ce serait peut-être mieux qu'il reste là, justement. Le manège est en arrêt depuis 2019 et son entretien devient trop coûteux. Chaque pièce doit être faite à la main. Le manège doit être entretenu de façon très particulière, c'est-à-dire à l'aide d'artisans. Donc, tout est fait à la main. On cherche à lui trouver un emplacement où il sera mis en valeur. Sa restauration au début des années 2000, en vue du 40e anniversaire de l'exposition universelle, avait coûté 1 million de dollars. Malgré les coûts que cela pourrait engendrer aujourd'hui, l'historien Roger Laroche refuse que le manège soit laissé à l'abandon. Il n'est pas question de protéger le patrimoine. Ils n'ont pas de notion de patrimoine. Fait que ça me dérange beaucoup. Même s'il le laissait là, il y a besoin d'entretien actuellement. Il y a besoin d'être restauré. Il faudrait qu'il soit restauré à l'exact. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, dit évaluer la situation. On va s'en occuper, mais je ne peux absolument pas vous dire en ce moment combien, comment, où. Je n'ai pas ces détails-là encore. Mais j'aime penser que la Ville de Montréal, peut-être avec d'autres partenaires qui aiment autant le patrimoine que nous, on va se porter à la défense et on va vouloir le protéger et l'installer ailleurs. Après le départ de la pitoune et du monorail, voilà que le carrousel, fabriqué en Belgique en 1885 et envoyé au Québec en vue de l'Expo 67, pourrait quitter l'île Sainte-Hélène. Ici Gabrielle Proulx, Radio-Canada, Montréal.